Platine. J'ai dit, elle est gratuite. Ah, te revoilà. Et cette fois, avec toutes mes reliques temporelles, je suis impressionné. Mais il est grand temps que je te donne une bonne leçon de vitesse. Ce circuit verra ta perte. Donc il faut rebattre Oxide pour avoir la vraie fin du jeu. Relique de Saphir, ah cool. Bon elle est gratuite mais ça faisait plaisir quand même. Donc allons-y. Défi d'Oxide. C'est le même non? Le même en peut-être un peu plus dur je pense. Dernier défi d'Oxide, Station Oxide. Bon alors qu'est-ce qui va changer? Il va être plus rapide. Il va partir à une seconde au lieu de deux. 2 hours later. Allez. On va y arriver, c'est pas grave. J'ai eu la chance de le first try en mode normal. On peut pas faire ça à chaque fois. J'ai eu le talent de le first try. Et de me prendre une boule de pudding bombe en pleine gueule. Reconnaissons-le. J'aime pas ce passage. Yes, touché. Allez, on prend des fruits ou pas. Et on essaye de jouer bien. Putain, comment il remonte. C'est ouf la vitesse qu'il a. Concentré là. Il est pas loin. Hein. Vraiment pas loin. Vraiment, vraiment pas loin. S'il l'a pas touché. Blue Fire. Donne-moi un truc, s'il te plaît. Mais pas ça! Ah! Voilà. C'était sûr! Vraiment que j'essaye de pas trop m'éloigner de lui. C'est chaud, vu tout ce qui balance. Ah là là, non, putain, c'est maintenant qu'il fallait que je l'attaque au missile. On prend ça. Je crache pas dessus là. Ok, petit coup de bombe. Bien placé. Au cas où. Bon, il l'a pas prise, mais. On pouvait toujours espérer. Ah, oh, il est tellement prêt. Non ! Ça a marché, ma fiole ! Ça l'a re-TP avant le saut, comme il m'a fait tout à l'heure. Oh, dans la gueule. Oh, dans les dents, putain. Ma fiole a marché. Bon, vous avez vu quand même la vitesse à laquelle il revient, mais je suis devant. Et là, ça devrait le faire, quoi. Hein. Faut pas déconner, au bout d'un moment. Et voilà. Ah, putain, ça fait zizir. Le plus rapide de la galaxie!
Ah, merci pour les reliques d'Analog Geek, les flammes. Ah, yes, ça fait zizir. J'ai fini le jeu, comme je l'avais dit, à 100%. Tu m'as encore battu. Je vais devoir retourner sur la planète Gasmoxia dans l'humiliation. C'est l'âge, je deviens trop lent. C'est fini. Plus question de courir sur ces petits mondes arriérés. Gardez votre misérable planète. Je m'en vais une fois pour toutes. Yes. La vraie fin. La chorégraphie crash. Yes, c'est cool. Ah, attendez, si encore le texte, je le relis parce que l'autre fois j'en ai loupé. Crash, avant de l'histoire de celui un grand studio de cinéma, le film intitulé La couleur orange sera diffusé en salle pour effet de fin d'année. Donc c'est les mêmes textes, mais comme j'en avais loupé. Crash passe l'essentiel de son temps sur une page en Australie à faire ce qu'il fait de mieux. Rien. Danser et dormir. Le docteur Neocortex a repris ses recherches et a découvert un nouvel élément de la table périodique. Malgré plusieurs procès, il fut impossible de changer le nom qu'il avait choisi pour la démence 119. Je le relis quand même, hein. Je sais que j'en avais loupé l'autre fois. Cortex règne sur le bondium. Les nombreux fans d'Adélie Daga admirent assez pour ce physique et cela le décide à lancer une série de vidéos de fitness. Tiny Bo fit immédiatement sensation. Kitty Tiger déménageait à Beverly Hills et fonda une chaîne de clubs de fitness dans laquelle il vendait des suppléments protéinés à l'avocat et à la citronnelle et les clients ne pouvaient plus s'en passer. Coco a lancé son propre service de jeux vidéo en streaminge. Si sa société est toujours dans le rouge, le prix des actions a crevé le plafond. Engine a ouvert une boutique de pièces détachées automobiles personnalisées à tous les deux dans le magasin ferme ses portes à proximité. Breveté ouvrait la route pour provoquer un véritable chaos sur les autoroutes. Son goût pour la destruction avec Steve lui permet d'obtenir un poste de commentateur au sein de la célèbre chaîne Combat de robots géants. Dagody a débuté une valcarade de pompiers replacée sur la scène par un tuyau de rosage. C'est une bonne idée. Depuis, son efficacité est particulièrement appréciée et est apparue à plusieurs reprises sur le calendrier des pompiers. Bonheur est devenu le concepteur de goût en chef d'un grand fabricant de glace. Il a créé de nouveaux parfums d'acier comme le cornet au saumon sauvage à la scène de la pieuvre, le maquereau à la menthe, mais la célébrité est venue avec la glace au thon. Pura a rejoint le spectacle de tigre de Ziegfeld et Floyd à Las Vegas. Pura a perdu son rôle de vedette quand il referme par accident sa gueule un peu trop tôt sur Floyd. Il doit présenter un nouveau spectacle en solo le mois prochain. Pinstripe abandonna la course et décida de devenir vendeur de voitures d'occasion dans le New Jersey. Si ses méthodes de vente atypiques ont permis d'être nommé meilleur commercial plusieurs mois de suite, elles lui ont surtout fait perdre sa licence et a été contraint de redevenir PDG et agent de protection rapproché. Papi a rejoint l'association des catcheurs sauvages avec pour nom de scène Monsieur Groubidon. J'allais lire caoutchouc sauvage quand même. Si sa technique fétiche, le coup du Groubidon, est devenue si populaire qu'elle a inspiré une danse qui a plongé le monde entier dans sa fièvre. Ripper Roux s'est intéressé à l'industrie des parcs à thème et est devenu ingénieur pour attractions mécaniques. Il fut mis sur la liste noire lorsque les officiels après Fossil Crane n'avaient pour but que pour tester ses propres seuils de douleur. Car il est sadomaso. Coupe de Joe a ouvert sa boutique de bijoux de pierres précieuses Joe Lenette à Zurich. Après plusieurs opérations douteuses, Joe a été condamné pour avoir blanchi le trafic des zircons rubiques au profit d'une chaîne de télé-réalité. Puis après, son frère Mo a annoncé l'ouverture d'une maison d'enchères spécialisée dans les bijoux. Entropie recommença à travailler sur sa machine à voyager dans le temps. La dernière fois qu'on l'a vu, il entrait dans une fight en prenant la direction d'une étrange ville du futur. On dit qu'il a rencontré un homme au manteau rouge et des tennis trop classe. Il décidait ensuite qu'il était temps de revenir. Bon, ça c'est forcément un truc par rapport à un jeu ou quoi que je ne saisis pas. Nitrosoxide est rentré à Gasmoxia totalement déprimé. Après plusieurs années de thérapie, Oxide a enfin décidé de recommencer à courir. Malheureusement, le monocycle n'était pas un très bon choix de véhicule et l'accident qui a résulté a mis fin à ses ambitions de conquête. Les détails de l'événement sont bien trop écœurants pour être imprimés ici. Cette fois, j'ai réussi à tout lire. Ah, le nouveau kart aéroglisseur, ça c'est cool. La peinture vert aéroglisseur, décalco demi-cercle. Encore un jeu fini sur la chaîne et un jeu fini à 100%.
Alors je sais pas si je ferai des lives quand je ferai des courses en ligne ou quoi sur ce jeu. On verra. 100% les gars, ça fait plaisir. Et ben voilà, on a terminé Crash Nitro Fueled, le mode aventure à 100%.